Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être là, fidèle au poste. Il y a quelques chaises de vide encore pour ceux qui. Les milliers de personnes qui attendent au fond. Il n'y a pas de problème, il y en a encore quelques-unes là. Et une là, voilà, c'est tout. Ah, deux là. Ça, c'est. Ah, trois. Pas de souci. Alors, il y a encore assez de place pour tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Merci, merci encore d'être là. Merci à Balti et à, surtout à Ursula de nous avoir invités pour clore, je crois qu'on clôt les 30 ans. On clôt les 30 ans de ces deux tourtereaux et ça nous fait, c'est un grand honneur que nous avons de clore cette grande et fabuleuse carrière du Jazz Club du Vuilly, à part le 5 juin, évidemment, ce que vous avez dit tout à l'heure. Et le Suisse Yerba Buena Créole Raz Jazz Band va vous présenter ce soir quelques nouveaux morceaux pour les habitués. Et pour ceux qui ne sont pas habitués, ce sera tous les nouveaux morceaux. C'est logique. Le premier s'appelait Savage Rhythm. Et pour les habitués, vous avez vu que nous avons deux remplaçants ce soir. Je vous les présenterai tout à l'heure. Mais on est un peu tendu parce que c'est un orchestre, vous avez vu, avec des arrangements, des notes. On n'a jamais été foutu d'apprendre des partitions par cœur. Donc on est un peu tendu parce que les invités qui ont dû travailler tout ce programme en très peu de temps, parce qu'il y a eu des 2-3 empêchements de nos titulaires, et voilà, on est un peu tendu pour eux surtout. Mais on va y arriver, vous allez voir, grâce à vous, on va les encourager. Ils s'appellent, je vais vous les présenter. Adriano Bassanini. Adriano Bassanini. Et le jeune premier à la batterie. Le Seigneur Lémo Grésier à la batterie de Warsaw. Le premier thème s'appelait Savage Rhythm et maintenant un thème des Mackinac Cotton Pickers 1930. Ça s'appelle The Way I Feel Today. The Way I Feel Today. That's how I feel today. My heart is breaking, cause she's making a plaything with me. Out of my emotion, that's the way I feel today. And you know, without any warning, and at least one word to say, she packed her bag and just ran away. Oh no, what's the use of living? I'm ready to give my body to the ocean. And that's the way I feel today. Thank you.
Oui, un vieux poulet. Je me sens très bien avec vous, donc c'est pour ça que j'ai pris un tempo un peu. Alors, désolé les garçons, mais c'est le blanc du vieux qui donne un peu de pep. Oh la vache. J'ai dit manger une fondue, ouais. Non, c'était bien, c'était... Bon, si on a ce tempo-là, on a fini à 9h30. Hein. Alors, dans les solistes, il y avait... Qui y avait? Je me rappelle même plus tellement ça a été dit. Ah oui, il y avait René Hagman. Jean-François Bonnel au saxophone ténor. Et Bibi Jean-Pierre Durcas au clavé. Merci beaucoup. Là, on va dans un répertoire un peu plus lent, un peu plus relax, puisque c'est un blues. J'espère que ça va l'être, en tout cas. Ça s'appelle Livery Stable Blues. Pour les amateurs de jazz, vous êtes tous d'ailleurs, parce que vous êtes là. Livery Stable Blues, c'était le premier thème de jazz enregistré au monde, même dans les environs. Il n'y a jamais eu un thème de jazz enregistré avant celui-ci. C'était des Blancs qui l'avaient enregistré. Il s'appelait l'original Dixieland Jazz Band, et Fletcher Anderson. Qui c'est qui a fait l'arrangement là? Fletcher. Don Redman et M. Fletcher ont fait un arrangement absolument extraordinaire sur ce magnifique blues. Ça s'appelle Livery Stable Blues. Alors là, les gaillards, c'est un nouveau morceau dans notre répertoire. C'est pour ça qu'on est un peu tendu. Même nous, qu'on a l'habitude de jouer, on en a un peu tendu. Ça s'appelle Horse Feathers.
qui en français veut dire le crin de cheval, je crois. Le crin. Le plan, les plumes. Plumes de cheval. C'est pas le crin. J'étais sûr que tu racontes. Parce qu'ils connaissent, je raconte pas des conneries. Hein. Ça s'appelle les plumes de cheval. Hawk Feathers. C'est un orchestre peu célèbre, peu connu, qui s'appelle Cliff Jackson qui jouait ça. Ils ont joué, ils ont fait deux tubes à l'époque des années 30, c'était Hawk Feathers et puis The Terror. The Terror. C'était les deux seuls qu'ils ont. Par qui le succès leur est arrivé. Il y en a qui sont. Il y en a qui n'ont fait qu'un. Patrick Juvet, par exemple. Mais là, il en a fait deux. Le gars de la tour de paix. Hawk Feathers, on y va. Alors. Un peu, puisque le prochain morceau est un morceau solo de notre clarinettiste Leonard Müller. On a tiré ce morceau du répertoire yiddish, un répertoire yiddish 1931, je crois. Ça s'appelle By Meir Bisdusche. By Meir Bisdusche. Il va nous interpréter ça avec le Yiddish Quartet. C'est ça? C'est exactement ça.
Alors, on se retrouve tout à l'heure. Il aimerait bien partir, mais on ne peut pas. Donc, on va rester avec lui. Thank you.
20 meilleures grosses blagues. Merci, une mention spéciale pour Régis de Simon dans le passé. Quand même, c'est une belle prestation. Bravo, Régis. Ça va, Léonard? Tu veux boire un coup? Bon. Alors, on continue. Je vous rappelle qu'il y aura 3 séries dans ce concert. Donc, il y aura 2 pauses au milieu qui vous permettront de vous abreuver et de vous sustenter au bar là-bas. Il y a plein de tartines au Cénovis. Non, il n'y a pas de tartines au Cénovis. Il y en a. Hein. Tartines au Cénovis, il y a des tartines au jambon. Et il y a plein de trucs, donc si vous avez faim, n'hésitez pas, il y a tout ce qu'il faut. Et, mais on n'en est pas encore là, on va partir dans un répertoire un peu plus tendre et un peu plus doux, d'un morceau qui s'appelle Patrol Wagon Blues. Patrol Wagon Blues. Patrol Wagon Blues. Merci beaucoup. C'était Henry Redalen qui jouait ça en 1930, mais lui il était noir. On fait ce qu'on peut. Surtout eux. On s'en approche, oui, on travaille beaucoup pour y arriver. On a déjà la couleur, on n'a pas encore la couleur, mais on a le
L'année passée, vous vous rappelez tous que c'était le 100e anniversaire de la naissance de Django Reinhardt. Et nous avons fait un spectacle, nous avons créé un spectacle spécifiquement pour cet anniversaire. Et pour ce spectacle, nous avons pris deux morceaux ce soir, dont un qui a été arrangé par Jean-François Bonnel. C'est le prochain que nous allons jouer maintenant. Ça s'appelle La Roulotte. C'était composé par un violoniste polonais du nom de Leo Slab, qui est décédé maintenant, mais très 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 bon compositeur. Il a fait des magnifiques morceaux, dont celui-ci. Ça s'appelle La Roulotte. Je vous explique peut-être le déroulement du morceau, c'est assez compliqué. C'est une roulotte qui arrive du lointain, de Bayern par exemple, supposons. Là, c'est là-bas Bayern. Oui, c'est là-bas. Elle arrive de Bayern, elle va direction Berne. Alors on entend la roulotte qui arrive, et à la fin du morceau, on entend la roulotte qui part. Voilà. Ça veut dire, c'est important pour que vous compreniez le déroulement du morceau. Ça s'appelle donc la roulotte. Un détail important, je vous explique pas ce qui se passe dans la roulotte. C'est là le truc. Vous y allez.
Bravo, Loc. On comprend mieux, hein. Donc, on connaît le fond de l'histoire. Ça va tout de suite mieux. Où on va maintenant? On va dans le dernier morceau de la première série. On va à Berne. On finit à Berne. Encore un morceau composé par Django Reinhardt, cette fois, qui s'appelle Belleville. Il l'a composé dans ses années de gloire. Et on va terminer cette première série par ce morceau-là, tout en vous rappelant que le morceau que vous venez d'entendre et celui que vous allez entendre se trouve sur un CD que nous avons enregistré l'année passée. Ça s'appelle Django, le génie vagabond, qui est en vente auprès... Oui, il en reste 27 et demi. J'ai plus l'info, j'ai plus le disque. 27, ils sont en vente là-bas, pour ceux qui sont intéressés. Il y en a d'autres également, du Swiss Yerba Buena. Voilà, Belleville, n'oubliez pas les tartines au Cénovis à la pause.
terminé. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bravo, Grésil et Wolfgang. Et le Suisse, Sia Barbonacore. On se retrouve dans une vingtaine, quinzaine de minutes. Merci beaucoup. Harlem Riva Kuhn. Merci de beaucoup d'être resté, ça nous fait très plaisir. On aime bien jouer pour des publics. Harlem Riva Kuhn, c'est un morceau que Duke Ellington avait joué dans les années, fin des années 20 au Cotton Club. Et c'est pas lui qui a composé ça, contrairement à beaucoup de croyances fausses. C'est Dorothy Fields et Jimmy McHugh qui ont composé ça, et Duke Ellington a été forcé de jouer ce morceau au Cotton Club lorsqu'il est arrivé. Pour la petite histoire, je sais que vous n'avez rien à cirer, mais je vous dis quand même. Ça fait toujours un peu. Non, eux, ils apprennent quelque chose, ça ne savait pas. Et contrairement aux croyances également, la Marie, la Vierge Marie, n'était pas blanche. Elle était noire. Et on va vous le prouver avec le prochain morceau. T'as vu l'enchaînement, les gars? Comme ça. Et j'ai pas à travailler, hein. C'est tout ce qui s'appelle Black Maria, le prochain.
Bonne carrière, merci beaucoup. Ça va convaincre, le rôle des remplaçants est important. Parce qu'il j'ai sous-entendu de rien du tout. C'est pas un répertoire facile. Et on a vraiment un problème important, on a un grand énigme. Nous sommes venus la dernière fois jouer ici en 2008, et on tenait sur la scène, mais c'était la même scène, je pense. Et on était, nous sommes beaucoup plus à l'aise que maintenant. Alors il y a deux solutions. Ou on a pris du poids, ce qui est sûrement le cas. Et l'autre solution, c'est que la scène a changé, mais je crois pas. Non, donc c'est vraiment nous qui avons pris du poids. Là, il y a 9 kilos de trop, quoi. Tu dis que les remplaçants, c'était... On y va, on continue avec un répertoire Cotton Club encore. Cap Calloway avait chanté ça et joué ça au Cotton Club, ça s'appelle Old Yazoo. Et notre italien, bel italien de service, va vous montrer son organe. Vocal. C'est ça, hein? Vocal. It's compelling, you hear me yelling, going back to all your zoo. Yeah. And if you don't like bent fries, get your eyes at me. Oh. And if you don't like green hands, get your hands on green. Oh. How long I have to wait, standing at the station gate. Mark's made up, give jam up, going back to all your zoo. Adriano Bassanini au vocal, merci beaucoup. Aïe. Encore un nouveau morceau au répertoire.
C'est ça qui me fait un peu peur. Mais on a travaillé tout à l'heure, ça avait l'air d'aller, donc on va vous le refaire maintenant. Ça s'appelle Sweet and Hot. J'ai pas appris les paroles encore. Tu leur dis pas. Bon, si tu veux rester avec l'orchestre, t'as intérêt à faire. Bon, tout ça pour vous dire que... Qu'est-ce que je veux vous dire en attendant? Plein de choses. Il y a encore des tartines au Cénobis. J'ai appris qu'il n'y en a jamais eu des tartines au Cénobis ici. C'est bizarre, j'étais sûr qu'il y en avait. Ah, au salon. Voilà, Sweet and Hot de Fletcher Henderson. Sweet and Hot. C'est Ronnie Hagman qui m'a dit un jour, tu sais, ce morceau, ça nous conviendrait bien à cet orchestre-là. Je lui ai dit, ben d'accord. Et puis voilà. On va vous le jouer. C'est aussi simple que ça. Ah, vous nous direz s'il a bien fait de nous proposer ça. Ça s'appelle Sweet and Hot. Get music, cause I'm mad about music, on the music I've got to be, sweet and hot, got to be sweet, got to be hot, I've got to have a girlfriend, cause I'm mad about girlfriend, cause my girlfriend has got to be, all sweet and hot, all sweet and hot, I don't know what a hot, I don't care what you say, as long as it's a hot you. I just keep very neat, oh, sweet and neat, I've got her birthday, cause I'm mad about music, cause the music I've got to be, oh, sweet and hot, oh, sweet and hot, ba-dee-da-da-ba-dee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 -ba
pensez, vous deux, choix de René? Ça va? Ouais, c'est... Ok. Ouais, il est tellement connu, René. Facile. Sweden Rod Fletcher Anderson. On va chez Duke Ellington maintenant. Duke Ellington, qui avait composé et interprété un magnifique morceau, que Régis Décimo va nous interpréter également à son tour. Ça y arrive. Ça s'appelle A Gypsy Without a Song. Ça va, Régis? Oui. Gypsy Without a Song. A Gypsy Without a Song.
un petit moment de tendresse dans ce monde de brut. Encore un moment de tendresse, mais moins tendre déjà. René va vous interpréter un morceau de son cru. Excuse, t'as un poil là. Elle est blanche, ta femme. T'as de la chance. Ça s'appelle comment, ça s'appelle ce que tu vas jouer là? Ah voilà. Did I do? Did I do? En français, did I do? En anglais, indeed I do. Of course, you will do it. Vous avez une préparation instantanée. Did I do? Jimmy Noon avec lui et Russell Prokop pour saxophone alto, c'est ça? Did I do? Thank you.
Jean-François Delain. C'est bon la musique. Il y avait Jean-Pierre Durcade, Nidine Larrozère, Jean-Daniel Juston et Raymond Grégier à la batterie pour les accompagner. C'est facile la musique quand c'est joué comme ça. Il faut dire que c'est des stars, donc eux, ils ont leur nom cité sur l'affiche, donc c'est normal qu'on les mette en évidence. Et maintenant on rentre dans les partitions à nouveau, désolé. Et on va vous interpréter un morceau des Maquinés Cotton Picasso. C'était un des orchestres les plus célèbres de l'époque, orchestre noir. Alors on vous fera un exemple de ce que faisaient les Blancs. C'était complètement différent. Ce sera dans la troisième série, si vous êtes encore là. On vous fera un exemple de tout ça. Ça s'appelle Just a Shade Corn. Just a Shade Corn, c'était Maquinés Cotton Picasso. Merci beaucoup.
Voilà, on va terminer cette deuxième série. Je vous rappelle qu'il y en aura trois. Et qu'il y a une pause entre la deuxième et la troisième également. Le dernier morceau, on va le faire au Wash Band. T'es prêt, Raymond? Tu gardes ta veste? Pourquoi? C'est classe. Mais j'ai rien dessous. Ça s'appelle... on va sur le... Chafi m'a dit qu'il était parti en croisière sur le... sur la mer, et là on va partir en croisière sur le Mississippi. Ça s'appelle Roland Mississippi. Roland Mississippi. Roland.
Tout le monde descend. Bonjour, merci, c'est Sidi Roland. Donc, tous, viens d'avoir la très haute agenda. Merci, mesdames et messieurs. On fait une petite pause. Renouvelez vos consommations. Achetez les 10 et on se retrouve dans 5 minutes. Merci beaucoup. Il s'appelle Harlem Bound. Harlem Bound de Freddie Jenkins. Thank you.
pour les solistes, il y en avait trop. Merci beaucoup encore d'être resté. Et on va terminer cette belle soirée. Et c'est un grand honneur pour nous que de clore cette dynastie Schaffroth. C'est ça, dynastie. 30 ans, vous rendez compte, 30 ans de boulot, non, mais j'y crois pas. J'étais sur les rangs également pour reprendre ce jazz club. Et je me suis dit, après avoir discuté avec Ursula et Walter, j'ai renoncé. C'est trop de boulot, vraiment. C'est incroyable le boulot que ça demande, ce genre de manifestation. Il faut du bénévolat, il faut du temps, et à mon âge, on n'a pas le temps. Il faut être jeune, et on a besoin de jeunes dans ce métier. Et on est content d'avoir un jeune, en tout cas. Merci Lucien d'être là. Lucien, un jeune qui aime bien le jazz, et j'espère qu'il va rester, donc qu'il va faire ce genre de musique. Lucien est également Jean Leclerc, que tout le monde connaît. Histoire vivante, ça vous dit quelque chose, Histoire vivante? Jean Leclerc, le journaliste qui s'occupe de ça, il est là présent, il vient de Genève spécialement avec madame pour nous rendre visite. Et je crois qu'on peut l'applaudir. Merci Jean pour ton soutien. Passons dans la musique. On va dans le répertoire de Mackinac Cotton Pickers avec un thème qui s'appelle Hula Baloo. Hula Baloo, c'était une danse à l'époque qui avait été créée spécifiquement pour ce genre de musique. Hula Baloo, il y a des paroles que je vais essayer de vous chanter et qui vous expliquent tous les pas que vous devez faire. Donc si vous avez envie de danser, n'hésitez pas, il y a quelques mètres carrés là, et là-bas, allez-y, n'hésitez pas. Hula Baloo. Hot step, quick step, that's college too. I'll go into your quick step, that's hula baloo. Chee, chee, we'll land it on your head. Oh, side, wild side, we'll wonder you did. Twirl the girl and clap hands, that's the way I do. I'll go backwards, slip hand, that's hula baloo. Do 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 do
Merci beaucoup. Le prochain thème est un thème composé par un musicien français qui est décédé maintenant, qui s'appelait Claude Luther, que tout le monde connaît, Claude Luther évidemment, qui a composé de magnifiques mélodies, dont celle-là qui a particulièrement retenu notre attention, puisqu'elle met en évidence, un instrument qui est beaucoup décrié dans le monde du jazz. C'est le banjo. On dit toujours, on peut négocier avec un terroriste, mais pas avec un banjoïste. Et on enlève toujours ses souliers pour sauter sur un trampoline, mais jamais sur un banjo. C'est des exemples, mais c'est pas de leur faute. C'est des... C'est comme ça. 220 banjos au fond de la mer, c'est bien, mais on peut faire mieux. Il y a des milliers comme ça sur les banjos. C'est un instrument qui est beaucoup décrié dans le monde du jazz, mais... C'est un peu dommage que Chaffee arrête, parce que lui, il aime les banjos. Il aimait. En fait, le banjo, c'est... Quand il est là, on s'en rend pas compte, puis quand il est pas là, il nous manque. C'est bizarre. Mais c'est comme ça. Bon, c'est un morceau qui s'appelle Le Vieux Bateau. Vous allez voir. Le Vieux Bateau, c'est un... Vous allez plutôt entendre, d'ailleurs. C'est un morceau qui reste dans la tête. Vous allez sortir de cet endroit à minuit, ou plus tard, ça dépendra de vous, et où il vous restera encore dans la tête. Toute la nuit, il va vous rester dans la tête. Et demain, il restera dans la tête. Et c'est un terrible. C'est terrible. Alors, je sais pas si on va le jouer, en fait. Mais on va le jouer quand même. Ça s'appelle Le Vieux Bateau, composé par Claude Luther. Et on prend un tel pour modérer, les garçons. Hein. Thank you.
C'est bien joué. Je me rachète. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des répertoires d'orchestre noir, des répertoires d'orchestre blanc. Et le prochain morceau est un orchestre tiré d'un répertoire d'un orchestre blanc. Donc je ne me rappelle plus le nom, mais c'est pas important. Le morceau s'appelle You Don't Like It Not Much. C'est Adriano qui va vous chanter ça, n'est-ce pas? Qui va leur expliquer tout ce que ça veut dire, You Don't Like It Not Much. Please you and when I kiss your such. Say you don't like it, no, you don't like it, not much. And when I kiss you and when I tell you your lips are thrilling to touch. No, you don't like it, no, you don't like it, not much. When I hold you close in my arms, why
You hold and you tell, I'm going to buy home tender. When I press you and when I tell you, your lips are thrilling to touch. No, you don't like it. No, you don't like it, not much. C'était ça à l'époque. On s'imagine très bien les danseurs. Il y avait des milliers de danseurs, contrairement à Banche. Bon, un danseur, non mais vous rendez compte. Une honte. Dans la place, il y a plus. Il y a les tables. On joue pour danser. Ah oui, d'accord. C'était ça à l'époque. C'était la musique d'orchestre blanc. Et les gens venaient que pour danser. Où on est maintenant? On arrive bientôt au bout de ce concert. Ouh là là là, un grand moment. Un très très grand moment puisque c'est un solo de piano. C'est ça? Contrairement aux apparences, la vie n'a pas toujours été facile pour notre pianiste. Non, il a vécu des moments difficiles dans sa jeunesse. Et c'était il y a longtemps, la jeunesse. Il a vécu sous les ponts à Genève. Et maintenant, c'est les autres qui le remplacent. Mais à l'époque, il était comme ça. Et il avait composé des morceaux pour s'en sortir, dont celui-là, qui s'appelle... Ça s'appelle comment déjà? Ah oui, The Song of the Vagabond, la chanson du vagabond. Jean-Pierre Burckhardt et son duo, trio. Son atrio. Thank you.
La chanson du Vanadon. Je vais le dire au Renaud Brésilien. Merci beaucoup. Merci pour lui. Un ancien vagabond. Oui, un très ancien vagabond. Puisque c'était les vagabonds. C'est un morceau qui s'appelle Bidlom Boom. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut demander au docteur Jarz. Tu sais ce que ça veut dire, Bidlom Boom? Non. C'est toi, René. Non plus. Lydie? Lydie? Oui, d'accord. Si vous voulez, si ça vous intéresse vraiment, vous venez à la fin du concert, on vous expliquera ce que ça veut dire. Bidlombo. Mais le conflit qu'on a eu, c'est le départ de ce morceau. On a un départ, je ne sais pas comment donner ce départ, parce que c'est un départ qui ne part pas comme les autres. C'est un faux départ, des fois. Alors on va essayer quand même. Alors, les gars, je vous donne 1, 2, 3, 4 et 1. Et après, on part sur le 2. D'accord. Vous avez tous compris? D'accord. On va essayer. Bidlombo.
Memphis, Tennessee, lives her girl named Simi. She's got a holding home and block, she's always got the gimme. Sell the mill with a tattoo heel, can't resist for trying. Every time she passed her door, hear me Simi crying. Oh, biddle-um, bum, oh, dum, dum, da, diddle-um, dum. She thinks they must be, and I'm not right. I should have been so sicky, I don't know. Biddle-um, dum, she got down, da, biddle-um, dum. Got the best of Burma, what are we gonna see? De cette soirée avec le fameux morceau en patois valaisan que tout le monde attend parce que chaque fois c'est une histoire qui nous raconte et on est toujours heureux d'apprendre des nouvelles du pays un peu décentralisé. Tous les Joa viennent le week-end nous faire chier à Saint-Maurice. Mais décentralisé le pays. Hermès, Zermatt, décentralisé. Décentralisé donc, je disais. Mais c'est un bon pays, on aime bien y aller. On aime bien repartir aussi. Je voulais quand même vous présenter une fois, pour une dernière fois ce soir, l'orchestre suisse Yerba Buena, créole Razzias-Ben, avec au piano Jean-Pierre Burkhardt. Au banjo, Lili Niederhauser. Au tuba, Jean-Daniel Gisclon. À la batterie et au fond, Raymond Blaisier. Au saxophone à clarinette, Jean-François Bonnel de l'ex-Opéra. À la clarinette, au saxophone à clarinette, Léonard Muller. De Genève. À tous les instruments possibles et inimaginables. René Hagman. À la trompette et au chant, Adriano Bassanini. Adriano Bassanini. Merci à vous pour votre travail. Enfin, au trombone et au chant, vous allez voir, Régis Décimo. Et bien sûr, à la trompette vocale, notre cher leader, Béat Clair. Merci de votre fidélité, merci encore à Ursula et Valter pour tout leur travail. Est-ce que parti pour Going Nuts, devenir fou? Je vais rester assis.
chips, pop, pop, speed, buddy. I'm on it, 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 c'est que Walter Schaffroth va chercher cette héroïne. Prendre le New Baby par exemple. Pas spécialement. Royal Garden Blue. Royal Garden Blue. Ça, ça va. Royal Garden Blue. Alors, on va essayer. Hein. Thank you.
Merci à toi, merci à toi, merci à toi. Merci. Merci à vous. Thank you.
Merci beaucoup, le Suisse. C'est Yabar Bonacro, hein, Jasden. Merci encore à vous d'être venus si nombreux pour cette dernière soirée. Merci à Ursula et Balcou pour tout ce qu'ils ont fait. Et bon courage et bon vent aux nouveaux tenanciers de l'établissement. Bonne soirée à tout le monde et mangez du sandwich et à tous les guides.